Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. Augustin Miles Kelechi, plus connu sous son nom de scène techno, est musicien, chanteur, auteur-compositeur et parolier nigérian né le 17 décembre 1990. Augustin Miles Kelechi est originaire d'Ivo, zone de gouvernement local de l'État Ebonyi. Issu d'une famille de 6 enfants, il a vu le jour à Bauchi. Il est avec ses frères élevé dans plusieurs régions du pays, notamment à Nassarawa, Kaduna et Abuja, car leur père, fonctionnaire de l'armée nigériane, voyageait beaucoup et les emmenait avec lui. À l'âge de 8 ans, Tekno est inscrit dans une école de musique où il a appris et maîtrisé les rudiments du piano et de la guitare. Tekno a d'abord été signé sous Kamone Entertainment. Son premier single, intitulé Holiday, est accueilli positivement et a été diffusé massivement. Mais, tout a véritablement commencé pour Tekno en 2012. En effet, lors d'un événement dans la ville d'Abuja, il reçoit une ovation debout après avoir chanté une chanson intitulée Oni Nekou, un remix du tube Oleku d'Ice Prince. Au cours de cette même soirée, il rencontre de grands de la chanson nigériane tels que Iyanya et le comédien Ubi Franklin, dont il se lie d'amitié et qui finissent par le convaincre de monter sur Lagos pour poursuivre sa carrière musicale. Le 5 octobre 2013, il signe un contrat d'enregistrement avec Maidmen Music Group, chez qui il sort des singles comme Dance et Anissine qui ont été nominés dans la catégorie du meilleur nouvel acte de l'année au Nigeria Entertainment Awards 2014. Le 18 juin 2015, Tekno sort son Siduro, un véritable succès musical produit par DJ Koublon. Ce single a été accueilli positivement tant en Afrique qu'aux États-Unis. En juin 2018, il signe un contrat de distribution avec Universal Music Group Nigeria. En juillet 2019, Tekno figure sur la bande originale du film Le Roi Lion de Beyoncé, The Gift, sur la chanson Don't Jealous Me. Le 10 décembre 2020, il sort son premier album Old Romance, dont il avait publié la tracklist le 6 décembre 2020. Cet album est composé de 13 chansons. J'espère que vous avez apprécié cette merveilleuse vidéo. Cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'aimer.